Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 18. Et aujourd'hui on va faire une carrière. Et je pense qu'on va faire une carrière de manager. Et la prochaine fois on fera une carrière de joueur. Ou au pire, dans les commentaires vous me dites si vous aimez pas manager. Ok. Allez, c'est parti. Je sais pas qui on va prendre en vrai. Je sais pas qui prendre. Oh, je pense qu'on va prendre une équipe anglaise, les gars, non? Ça vous va? Les gars, vous savez quoi? On va prendre Manchester City. On va prendre lui, hein. Eh, vous savez comment on va s'appeler, hein. Comment on change déjà? Hein? Comment on change les gars? On va mettre semi-pro parce que je suis vraiment nul. Tu vas de perdre 4 minutes. Alors on peut continuer. Dans votre carrière de FIFA 18, une des plus importantes innovations de ce mode de s'annuler est l'arrivée de négociations de transfert interactif maintenant en tant que nouveau manager du club Manchester City. Ok. Athanasio en tant que nouvel entraîneur. Attendez les gars. Arrête, je suis en train de faire une FIFA 18. Et nouvelle, je suis en train de faire une vidéo. Ok. Attends juste. Je fais une nouvelle carrière là. Attends juste là, je suis en train de faire Spotify. Enlève ta musique, enlève ta musique par contre. Tu l'entends? Bah oui. Non, c'est bien. Bon, moi je suis premier. Mais oui, on t'a même dit, je l'ai dit avant le jeu. Les gars, on va aux invitations. Hein. Et on va aller au challenge américain. Alors, le bureau. Ouais. On joue contre la jupe direct. La vérité, mon pote, ils m'ont gavé. Ça fait 3 fois que je joue. Oh, je pète les gueux, Barça. Quoi? Ok. Alors. T'as l'œil.
sont des démons sur l'œil. Chance de jouer. Ah, ça l'a pas enregistré. Vas-y. Oh mec, j'ai gagné 10-0 le premier match contre le Barça, après je les ai laissés jouer. En vrai les gars, j'ai juste envie de faire ça. Je fais ça à marcher. Il y a des transferts au tout début début. Toi t'es quoi, manager? Ouais, faut juste que tu fasses 2-3 matchs. Faut que tu fasses passer les jours en fait. Mais tu sais, tu fais simuler, c'est bon, tu t'en bats les couilles. What? Les gars, vous savez ce que je vais faire? Non. Oh, fais chier! Les gars. Vous avez vu combien j'ai d'argent transfert? Allez Zidane. Les gars, c'est parti pour la première négociation. Chute, Mathis, s'il te plaît. Rêve de voir et Marcel faire le déplacement, nous commençons maintenant. Tout d'abord, évoquons le type d'accord que nous souhaiterons conclure. Sur son gilet, le rafraîchit, du coup, je sors. Chut. Alors, on propose un transfert. Il n'a rien en plus. Mais non, fou, attends. Attends. 120 millions. Tu veux t'acheter qui? Ronaldo. Il n'y a rien en plus. 165 il a demandé. Mais oui. Mais c'est. Ça va être ta dernière offre. 19 panda, mais. Ah oui. Miska. Médicament. RR. Sérieux? Quoi? Ah oui, il reste sur 165 millions. Alors quoi, la dernière fois, je l'avais pris 150. Vas-y, saoul. Bon bah, je l'ai pris. Allez les gars, on a Ronaldo dans notre équipe. Ça dégage. Allez. Vas-y, tu m'as gavé. Après, il y a une musique de rage. Attendez les gars, ça fait un moment. Voilà. Bye. Les gars, il est là, Ronaldo. Arrête, Mathis. Je te mets 3 euros jusqu'à la Stanville. Attends, je te mets le temps. Tu vas-y. C'est bon. Voilà, les gars. Bah, heureusement. Mais mettons d'accord que la durée, il veut signer pour 2 ans. 3, les gars, 3. Yes.
gars, on va... Les gars, j'ai pas assez. Les gars, ça va pas le faire. Oh les gars, je peux voir. Oh les gars, je peux pas. Je peux pas. Va falloir que, en fait, que je gagne le challenge américain. On va se mettre là, il va refuser direct, hein. Voilà. Au moins, il a fini, c'est bon. Ah, mais je pourrais plus approcher Ronaldo alors. Je suis pas, les gars. Et on va faire le match. Hein. C'est parti les gars, j'ai 28. Moi je passe les gars. Ici à Carson, près de Los Angeles, où le PSG a déjà fait étape d'ailleurs lors de sa tournée estivale de préparation. Oh ouais, je me souviens que les Parisiens avaient battu Leicester 4-0 en 2016, avec le recul. C'était peut-être le signe que Leicester aurait du mal à digérer son titre de champion de première ligue. Ouais, c'est sûr que prendre 4-0 au match de préparation, c'est pas idéal pour la confiance. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même à l'image. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. C'est un milieu à 3. Oh les gars, je suis revenu là. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Camavinga qui s'enfonce. Fernandinho. De Bruyne dans Z. De Bruyne, oh, il y a un vrai danger à Kevin De Bruyne. Man City qui va bénéficier du corner. Otamendi. Oh là là là, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Curaro. La Juve à l'attaque. Et parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Non. Oh les gars, j'arrive pas. Avantage laissé à Man City. Allez. Sterling. Oui. Oui. Il est venu. C'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. City a l'avantage dans ce match. Curaro. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh non, Mathis, on voit une image.